Moi surtout, c'était la pêche à la truite, donc enfin moi je suis un pêcheur. Ce qui me plaît, c'est de crapahuter, de monter dans les torrents, d'aller dans les coins où les autres ne vont pas pour essayer de prendre des poissons, même si des fois je faisais plus de kilomètres que je prenais de poissons. Donc Marie, le code. Avant l'accident, bah, j'avais une vie, je dirais, dans la moyenne générale. J'avais un travail qui me plaisait énormément. Je faisais des choses. J'avais une maison que je pouvais entretenir à ma guise et que je faisais évoluer. Mais il n'y a que le code. Je trouve qu'on vivait plutôt bien, mon épouse travaille, voilà, on était plutôt une bonne vie, une belle vie, quoi, je dirais. En fait, c'était le vendredi après le jeudi de l'Ascension, donc, et je travaillais pas ce jour-là. Ce jour-là, il faisait beau, donc j'ai dit, bah tiens, je vais y aller en moto, puisque je travaillais pas, je pouvais y aller en moto, j'étais obligé de prendre... la voiture de service, rien du tout. Et ce qui est curieux, c'est que je suis passé par l'endroit où je passe jamais, en fait. Il y avait de la circulation et il y avait un camion notamment qui bouchonnait un peu, qui bouchait la circulation à l'entrée de la ville. J'ai entrepris de le doubler, de le dépasser. Pour moi, j'avais aucun... Enfin, ça m'a même pas venu à l'idée que c'était dangereux ce que je faisais, quoi. Et à un moment donné, bon, le camion, je le vois plus, il échappe de mon champ de vision, et à cet instant-là, j'entends un grand boom et un choc énorme sur le côté, un truc... enfin, j'arrive pas à trouver les mots pour dire le bruit que ça fait dans la tête et que ça fait vibrer, enfin, c'est impressionnant. Puis après, je me rappelle de plus grand-chose, quoi. Je sentais pas mes jambes et je me disais tiens, c'est bizarre, j'ai dû avoir une jambe cassée ou un truc comme ça parce que je suis encore l'anesthésie fait encore effet, je suis encore anesthésié, quoi. Dans mon esprit, c'était ça, quoi. J'étais endormi ou j'avais une péridurale, je m'étais mis la tête qui m'avait fait une péridurale ou un truc comme ça, enfin bon. Et je me rappelle les mots du toubib, du chirurgien qui était venu me voir. Il me dit, bon, vous en tirez pas trop mal, mais il me fait, pour les jambes, faut plus compter dessus. Et je lui fais, mais vous êtes sûr à 100%? Il me fait, non, 99,5%. Il me fait. Je me suis pas lamenté en disant, putain, mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que ça. En fait, j'ai l'impression que le corps l'accepte automatiquement, quoi. C'est automatique. J'ai voulu tout de suite me battre pour m'en sortir, pour moi, pour mes enfants, pour mon épouse, plus peut-être pour les autres que pour moi, mais bon. T'as regardé? Donc là, bon, c'était un peu longuet parce que ça dure 7 mois, quoi. Donc 7 mois à l'hôpital, bon. La vraie vie et la vraie rééducation, elle commence, c'est le jour où on nous dit ça y est, t'es libéré, c'est un peu comme à l'armée, c'est la quille. Tu rentres chez toi et que là, tu rentres à la maison, là, t'arrives. J'ai pris une grande baffe dans la tête et maintenant, c'est presque, bah maintenant t'es comme ça, allez, chiche, tu continues, quoi, c'est ça, quoi. Où je suis rentré, où je suis revenu le premier jour à la boîte. Ouais, j'ai vraiment senti que les gens étaient contents de me voir revenir, quoi. Ça fait plaisir, ça motive, quoi, surtout. Bon, j'étais responsable du service maintenance. Je savais qu'il y avait beaucoup de choses que je pourrais plus faire. C'est quoi comme pièce? Des réductions de recalibrage compteur. Ça, c'est des modes. Quand même... Et vous les avez peut-être mis ailleurs, non? On attend peut-être que l'accession ait été faite. Et c'est pas déballé? Ouais.
Le retour, alors lui, je sais pas comment il a vécu, mais il a retrouvé sa place. Midi, ça va leur convenir, je pense. Puis c'est des nouvelles situations, il y a plein de choses auxquelles on ne pensait pas. Enfin, les passages dans les couloirs, ça donne un autre œil et je pense que ça donne aussi plus de tolérance. Ce que j'ai retenu, c'est que quel que soit le type de difficulté qu'on rencontre, il ne faut pas le cacher. Et c'est mieux de vivre avec puis de le faire accepter parce qu'en fait Thierry fait accepter son handicap. Bon, je m'entends super bien avec lui, c'est agréable de travailler avec lui. Bon, Thierry il est handicapé, c'est sûr. Après, mais je m'apitoie pas sur son état. Moi, je suis passé par d'autres caps aussi, et voilà, j'ai été opéré du cœur. Donc, ouais. On va dire, c'est pas parce qu'on n'est pas comme les autres qu'on ne peut pas faire du travail avec une certaine importance, avec un bon caractère. Et j'espère que la société fera de plus en plus d'efforts pour en intégrer, parce qu'ils ont le droit de vivre comme tout le monde, travailler comme tout le monde. Ah si, des fois j'en démarre, ah, si. Quand le moral est plus ou moins haut, je me dis putain, mais qu'est-ce que je fais dans cette galère? Pourquoi ça pas taper un peu plus fort? Et à la limite, bon, je serai plus là, je le verrai plus, et puis tous les problèmes seraient résolus, les miens et tous les problèmes des autres aussi. Enfin, moi si je vis jusqu'à 100 ans, il me reste quelques années de galère, il me reste 50 ans de galère puisque j'ai 50 ans. Thierry a vraiment montré toujours beaucoup, beaucoup de volonté de reprendre derrière une vie normale. Et donc, naturellement, notre objectif a été de regarder avec lui comment reprendre en fait une activité professionnelle derrière normale. Et là, en fait, on s'est quand même heurté à des difficultés administratives auxquelles je n'imaginais pas comment traiter en fait la problématique d'un départ très rapide au cas d'incendie, le CHSCT qui s'est positionné sur le sujet, qui a pris le dossier à bras le corps et qui du coup en fait imposait un certain nombre de règles. Enfin voilà. Ça m'a demandé énormément d'énergie. Le point négatif en fait du retour de Thierry, ça n'a pas été son retour en tant que tel, ça a été de vaincre tous les aspects administratifs qu'on n'avait pas imaginé. Salut! Tu cherches qui? On n'a vraiment pas occulté la situation de handicap, mais ça fait partie d'une nouvelle donne qu'il fallait prendre en compte pour l'accompagner, mais que c'est l'individu qu'on a accompagné dans sa globalité. Bon, et toi, comment tu vas? Bah écoute, ça va. Hein. Maintenant que je suis ici, là, c'est bon, je suis bien installé, donc il n'y a pas de souci. T'es pas à l'étage? Non, l'étage, ça y est, je suis descendu du premier étage, là j'intégrais le magasin, donc mon bureau est suffisamment grand, les WC adaptés ont été mis en place, il n'y a pas de problème. Mais les stéréotypes, c'est surtout de la peur qu'il y a derrière, par la méconnaissance ou l'ignorance totale de qu'est-ce que la problématique du handicap, parce que, encore une fois, ceux qui n'ont pas été approchés dans leur chair ou en proximité voient le sourd, l'aveugle ou le fauteuil. Donc c'est expliquer à toutes les personnes, et y compris aux managers, que dans ces déclinaisons, vous avez des tas de gens qui ont des compétences qui correspondent à leurs besoins. Et que leurs compétences avec leurs besoins peuvent faire des recrutements réussis. Le jour où on peut me refaire monter sur une moto, je monte, hein, pas de problème. Putain, c'est toujours quelque chose de présent, et c'est toujours quelque chose, quand je les entends, des fois, là, ça me... Bon, je lui dis, tiens, celui-là, il est en train de se faire plaisir, bon, voilà... Tant mieux pour lui.